12 ans plus tard, Sophie Marceau va vivre une expérience qui va la renvoyer à la nostalgie du passé. Un challenge qu'elle s'apprête à vivre aux côtés d'un homme important. Sophie Marceau ne recule devant aucun challenge. Alors qu'on la découvrait autrice, avec son ouvrage hybride aux éditions Segers, intitulé La Souterraine, qui se compose de 13 histoires et de 7 poèmes, voilà qu'elle revient avec autre un défi de taille. Après 12 ans d'absence au théâtre, elle s'apprête à remonter sur les planches avec la pièce La Note, d'Audrey Sheba avec François Berléand. Un enjeu qui va lui rappeler la nostalgie du passé mais qui va aussi la rapprocher d'un homme du passé. Un passé bien plus proche puisqu'il s'agit de travailler avec celui qui est désormais son ancien compagnon, Richard Kaya. En effet, aux dernières nouvelles qui remontent au mois de mars dernier, l'actrice serait célibataire, séparée donc fraîchement du producteur avec lequel elle a vécu une belle histoire. Et si est-il bien Richard Kaya, co-directeur du Théâtre des Bouffes Parisiens, de la Michaudière et du Marigny, qui est à la production de cette pièce qui signe le grand retour de Sophie Marceau sur les planches. Lorsque le Figaro demande à la comédienne si est-il lui qui a pensé à elle, celle-ci répond « oui ». Il est aussi producteur et a souhaité réunir un auteur et une actrice. On ne nous voit pas forcément ensemble, Audrey Sheba et moi. Plus loin dans l'entretien, elle rappelle cette envie de travailler avec son ex. Avec Richard Kaya, on avait envie de travailler ensemble, rapporte Sophie Marceau. Le métier d'acteur, si est-il être dépendant du désir de autres, j'adore provoquer le désir, mais je ne peux pas vivre que dans le désir des autres. On doit s'adapter au désir des metteurs en scène, mais à un moment, on a envie de revenir à un désir personnel. Au sujet de la pièce, elle dit ne pas avoir vu la dernière montée en scène par l'autrice. Je n'ai pas vu sa pièce précédente, La Perruche, avec Barbara Schultz, confie Sophie Marceau. Si est-il par l'écriture, le discours que je m'intéresse à quelqu'un. Je me suis projetée dans ce rôle et si est-il reparti. J'ai envie de revenir à une forme d'artisanat, de renouer avec le rythme naturel des choses. Durant cet entretien, l'actrice qui serait célibataire mais a vécu de belles histoires d'amour notamment avec des personnalités célèbres, comme Christophe Lambert, parle du sentiment amoureux. L'amour, on n'a toujours pas trouvé ce que si est-il. De grands chercheurs disent, ça, on ne le sait pas aujourd'hui, mais dans 20 ans on le saura, si est-il une certitude. Par exemple, on sait qu'il y aura un jour un ordinateur quantique. On ne sait pas encore le fabriquer, mais on sait qu'on le saura un jour. En amour, on ne sait pas, si est-il propre à chacun. Si est-il bien aussi de ne pas savoir et de continuer à chercher, fait savoir l'actrice de police de Maurice Pialat.